La DGFM, outre les services rattachés au directeur, comprend trois divisions. Il y a la division de la gestion, de l'aménagement et de la valorisation des ressources des fonds marins. Il y a la division de l'océanographie et de la protection de l'environnement des fonds marins. Et enfin, il y a la division de la législation, de la documentation et du suivi des accords. La direction a pour mission essentielle de contribuer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de recherche et d'exploitation des ressources des fonds marins. Madame la ministre, si vous permettez, pour expliquer un peu la nuance qu'il y a entre les ressources des fonds marins et les ressources dans les fonds marins. Parce que quand on parle de ressources dans les fonds marins, on va faire allusion aux ressources du pétrole et autres gaz. Mais là, on parle des ressources des fonds marins, qu'on peut citer parmi ces ressources, on peut citer les algues, on peut citer le sable des fonds marins, comme une minerai, et autres espèces qui vont vivre directement en contact avec les fonds marins. Donc, l'autre mission de la DGFM, c'est de participer à l'élaboration du contrôle et de la supervision de toutes les activités de recherche et d'exploitation des ressources situées dans les fonds. De promouvoir les activités de recherche et d'exploitation des ressources des fonds marins. J'ai vu que le président de la République, à chaque fois que nous lui avons montré l'engagement et le dynamisme des agents, il a pu avoir des réactions très rapides. Mais on va essayer de mutualiser nos forces. Donc, c'est les directions qui sont plus pour est-ce qu'une direction même. Parce que les présentations là n'ont pas fait ressortir des directions reluisantes. Hein? Parce qu'on devrait quand même pouvoir, à chaque fois que de besoin, permettre, si une direction est plus pourvue que l'autre, qu'on puisse s'entraider. C'est ça, c'est la loi au niveau des ministères. Hein? Hein? Vous avez d'autres informations également à porter à notre connaissance, toujours pour faire mieux marcher, en tout cas le service. On est à votre disposition. Voilà, merci.